discuté avec Ridouane au moment de sa préparation de baptême. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, les versets 13 à 17. Jésus sortit encore du côté de la mer. Toute la foule venait à lui. Et il les instruisait. Et en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Celui-ci se leva et le suivit. Comme il était à table chez lui, beaucoup de collecteurs des taxes et des pêcheurs avaient pris place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Des scribes et des pharisiens, le voyant manger avec les collecteurs des taxes et les pêcheurs, disaient à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs des taxes et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Je vous invite à chanter le cantique 213 dans les louanges et prières, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à la prière. Je cherche ton visage, Seigneur, ne me le cache pas. Enseigne-moi au plus profond de mon cœur où et comment je dois te chercher, où et comment je te trouverai. Puisque tu es partout présent, d'où vient que je ne te vois pas? Tu habites, je le sais, une lumière inaccessible. Mais où resplendit-elle cette lumière et comment parvenir jusqu'à elle? Qui me guidera, qui m'introduira pour que je puisse te voir? Regarde-moi, Seigneur, et exauce-moi. Donne-moi la lumière, montre-moi. Aie pitié de mes efforts pour te trouver, car je ne peux rien sans toi. Tu nous invites à te regarder. Aide-moi. Apprends-moi à te chercher. Car je ne peux le faire si tu ne me l'apprends pas.
ni te trouver si tu ne te montres pas à moi. Fais qu'en t'aimant je te trouve et que je t'aime en te trouvant. Anselme de Canterbury. À la question « Qui a besoin de l'Évangile ?», on serait tenté de répondre d'une façon légère « Tout le monde », pour peu qu'on considère l'Évangile comme une chose positive. Ou encore « Personne », pour peu que l'on minore l'importance de ce qu'on a coutume d'appeler « Évangile ». Pourtant, la réponse n'est pas si simple, car on peut se demander si l'Évangile répond à un besoin et si oui, lequel ? Et sinon, à quoi bon cet évangile, si cela ne répond à aucun besoin? Et puis de quoi parle-t-on quand on parle d'évangile? La bonne nouvelle, comme le mot grec l'indique, « euangelios » Quelle est cette nouvelle et en quoi est-elle bonne? Et enfin, pour qui? Quand les scribes et les pharisiens voient Jésus attablé chez Lévi avec les collecteurs des taxes et ceux que le texte qualifie de pécheurs, ils posent le problème de la destination de l'enseignement de Jésus. Jésus enseigne à des gens qui ne méritent pas, à leurs yeux, de recevoir cet enseignement. Dans son livre « Les pharisiens », c'est le titre, l'historienne Mireille Hadas-Lebel explique que c'est bien par souci de pureté que les pharisiens se tenaient à distance des publicains et des pécheurs. Les publicains qui collectaient l'impôt pour le compte de Rome étaient particulièrement détestés par leurs compatriotes. Ainsi, la Mishnah interdit de faire de la monnaie auprès d'un collecteur d'impôts ou d'accepter son aumône, car l'argent en sa possession est considéré comme volé. Fréquenter des publicains équivalait à fréquenter des voleurs, mais aussi des collaborateurs d'une puissance étrangère oppressive. Selon les scribes et les pharisiens du texte que nous avons lu, les collecteurs de taxes et les pécheurs n'ont pas droit à la bonne nouvelle de Jésus, en tout cas à celle qu'il est venu annoncer, précisément parce qu'ils sont pécheurs et collecteurs de taxes. En fait, l'enseignement de Jésus d'après les scribes et les pharisiens devrait n'être donné qu'à ceux qui sont déjà conformes aux normes de la fidélité au Dieu d'Israël. Ceux qui sont nés dans le peuple d'Israël et qui ne se compromettent pas en se mêlant aux hommes et aux femmes de mauvaise vie, comme on pourrait dire. C'est donc un entre-soi que prônent les pharisiens et les scribes. Un enseignement qui permette d'asseoir une tradition et de reproduire du même. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils font ce reproche à Jésus parce qu'ils le considèrent d'une part comme un des fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais peut-être même comme un des leurs, un pharisien lui-même qui enseigne, comme eux peuvent le faire, c'est-à-dire un membre de cette part du judaïsme d'alors qui considère que le sacré ritualisé doit sortir du temple et que tout homme est prêtre. Tous prêtres. Tiens, la formule devrait nous rappeler quelque chose, puisque c'est une affirmation du réformateur Martin Luther dans la lettre à la noblesse chrétienne de la nation allemande, quand il explique sa conception du sacerdoce universel. Nous sommes absolument tous consacrés prêtres par le baptême, écrit-il.
Dans sa conception, il s'agit d'affirmer que tout chrétien doit être autonome dans sa lecture de la Bible, jusque-là réservée aux prêtres, et que les hommes du clergé ne sont pas de nature différente de celle des autres membres du peuple de Dieu, les laïcs. En faisant sortir la Bible et la lecture de la Bible des églises, c'est le caractère sacré du rite chrétien qui s'est parfois répandu dans tous les secteurs de la vie quotidienne. Et dans son excès, cette affirmation a donné un puritanisme terrible, imposant un ascétisme strict dans tous les secteurs de la vie, jusque-là profane. Le sacré n'étant plus réservé à un temps, un espace, un clergé, il risque alors d'envahir la vie tout entière, privant les fidèles de la liberté que la Réforme avait pourtant appelée de ses vœux. Car tout devenait alors risque de péché. L'austérité protestante, dont on parle tellement quand on regarde de l'extérieur le protestantisme, est sans doute la trace de cette imprégnation de toute la vie profane par la présence de Dieu et de ses commandements. La vie entière devient alors, dans l'excès de cette formule, à une vie religieuse. Et du même coup, le problème du mal, auquel les réformateurs avaient opposé une grâce sans condition, devient le problème de chacun avec ses propres péchés, qu'il doit prendre en charge seul devant Dieu. Si la vie entière est religieuse, alors le péché peut être partout, puisque tout concerne Dieu. D'où les discours ultra-moralisateurs de certains courants protestants, qui règlent la vie entière sur des critères bibliques littéralistes et font de la Bible un livre de recettes pour ne pas tomber dans le péché. On revient alors à un salut par les œuvres, en quelque sorte, puisque tout ce qu'on fait doit être fait en fonction de ce péché pour gagner son salut, pour ne pas retomber dans le péché. Ainsi, on retombe dans l'écueil que les réformateurs voulaient empêcher, dans lequel la vie humaine est l'œuvre qu'il faut accomplir conformément au commandement de Dieu pour obtenir son salut. La grâce qui avait touché Martin Luther est bien loin dans cette façon de la lire. Et la reconnaissance qu'elle inspire, au lieu de libérer le chrétien du fardeau d'avoir à payer sans cesse ses fautes, lui fait porter chaque jour le poids de l'accomplissement personnel au nom de Dieu. Voyez comme le piège fonctionne. Au lieu d'en rester à l'impossibilité pour les hommes d'être des saints par leur propre force, parce qu'ils sont humains et qu'ils ne seront jamais comme Dieu, on en vient à faire du chrétien le responsable coupable de son salut. Et c'est là son œuvre. C'est un retour à la case départ, mais dans une version pire que celle du salut par les œuvres, parce que cette fois, vous êtes seul. Plus aucune église ne peut rien pour vous, si ce n'est, évidemment, quelque pasteur qui vous dit comment faire pour sortir, par votre propre ascétisme, de ce péché qui envahit tout dans votre vie. Donc vous risquez en plus d'être la proie de quelques manipulations. Le pharisianisme du temps de Jésus est confronté au même défi qui s'accentuera avec la destruction du temple. Comment placer le curseur sur l'échelle de l'observance religieuse dans la vie quotidienne quand chacun devient tout à coup responsable de sa propre pureté? Il ne s'agit plus d'attendre d'aller au temple pour se faire purifier, pour revoir l'ardoise qu'on a avec Dieu. Il s'agit là de se débrouiller tout seul avec son péché et son impureté chaque jour. Voilà le problème des pharisiens. La réponse de Jésus est sans appel. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais les pécheurs. Pour lui, la question n'est pas qui a le droit à l'enseignement d'un rabbi, mais plutôt qui en a besoin. Un texte comme celui-là pose problème à la première écoute, car il parle du péché non pas comme un fait ontologique, comme la trace de la chute d'Adam en nous, qui fait que nous sommes
dans une condition humaine qui ne peut échapper au mal, mais comme une maladie que l'être humain aurait contractée dans la vie quotidienne et qu'un autre pourrait soigner. Jésus se compare à un thérapeute d'une maladie qui fait que certains choisiraient d'être collecteurs des taxes, peut-être, pêcheurs, puisque le texte parle des pêcheurs. Étrange maladie que celle-ci. Étrange conception du péché que celle qu'expose Jésus en réponse aux pharisiens et aux scribes. Alors Jésus est-il si différent d'eux au bout du compte? La différence avec les scribes et les pharisiens, pour Jésus, c'est que Jésus se mêle à ceux que les religieux bien-pensants ne veulent même pas approcher de peur de se souiller. Il mange avec eux, il s'affiche avec eux, il accepte d'être pécheur avec eux et d'être vu comme tel. En faisant cela, il pose un acte prophétique qui rappelle la promesse d'Ésaïe. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. En faisant cela, Jésus ne se place pas au-dessus des pécheurs. Il est dans la même condition humaine qu'eux. À ceci près que lui peut les guérir, me direz-vous, puisque le texte l'annonce. Jésus déclare : ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et ensuite il ajoute : je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il prévient ainsi les scribes et les pharisiens que la bonne nouvelle qu'il est venu apporter est pour ceux qui en ont besoin et qui estiment en avoir besoin. D'autre part, il n'est pas venu soigner ceux qui sont pécheurs, la comparaison est plus subtile que ça, mais les appeler. La référence au médecin dans cette comparaison est là pour remettre les scribes et les pharisiens devant une réalité qu'ils ont oubliée. Si le salut de Dieu ne s'adresse qu'à ceux qui sont déjà sauvés, à quoi bon ? Mais on aurait envie de dire avec malice que ceux qui ont le plus besoin de la bonne nouvelle portée par Jésus, ce ne sont certainement pas ici les collecteurs des taxes et les pécheurs avec qui il est attablé chez Lévi, mais bien les scribes et les pharisiens. Dans ce texte, l'ironie est à son comble. Jésus, en s'attablant avec les rejetés de la société, révèle le péché des pharisiens et des scribes qui ne veulent pas aimer leurs prochains comme eux-mêmes, qui ne veulent pas aller à leur contact. Alors, qui a besoin de l'Évangile ? Sans doute tout le monde, car notre condition humaine nous voue à une constante réforme de nos a priori, de nos haines, de nos bassesses. Nous ne sommes jamais complètement justes. Mais qui peut accueillir l'Évangile ? Là est sans doute la véritable question qui est renvoyée aux scribes et aux pharisiens qui, ce jour-là, ne comprenaient pas que Jésus se compromette en allant manger et partager la parole de Dieu avec des gens peu fréquentables. Sans doute ne faut-il pas être trop plein de certitudes sur Dieu, de dogmes bien ficelés et prêts à croire. Sans doute faut-il se savoir un peu lâche, un peu menteur, bref, un peu pécheur, pour accepter d'avoir besoin d'une bonne nouvelle capable de nous ressusciter. Sans doute faut-il avoir des brèches dans sa vie, des points obscurs, des incapacités à aimer, des peurs et des renoncements, pour que cette bonne nouvelle vienne non pas combler les creux de notre vie, mais les pensées avec un A, les apaiser comme le baume du médecin. Aujourd'hui, nous avons été témoins du baptême de Ridouane, qui a confessé sa foi en ces termes, et je crois en l'homme qui, en suivant consciemment ou inconsciemment le message de notre Seigneur, donne de l'amour à soi-même,
à son prochain et dans toutes les actions qu'il entreprend. L'homme qui, à travers la communion avec son prochain, comprend qu'il n'est pas parfait et qu'il lui faut pardonner autant qu'il demande à l'être au Seigneur. Voilà le besoin d'évangile. Ce n'est pas un besoin de plus de religion, mais un besoin de plus d'humanité. Ce besoin est celui qui nous rend frères et sœurs dans la même condition humaine. Il est là où se trouve notre humanité même. Et c'est cette humanité que Jésus est venu appeler, transporter, révéler. Non pour l'accabler avec ce qu'elle est, mais pour lui annoncer une bonne nouvelle. Dieu aime cette humanité dans son imperfection même. Il est avec elle, là où elle n'est pas parfaite. Et cet amour la sauve, cette humanité, d'être obligée de se sauver par ses propres forces, par ses propres œuvres. Ne dit-on pas, quand nous recevons un appel à servir la parole de Dieu, que Dieu me soit en aide ? Puissions-nous, dans nos vies, en creux, faire une place à notre besoin d'évangile. Amen.